Je me suis abonnée. Rends-moi l'abonné, vive la Tunisie en plus. Tout à fait d'accord, la fidélité, c'est la base, c'est primordial. Mais ouais, en fait, la fidélité, c'est pas genre l'attente. Par exemple, le romantisme, c'est pas obligatoire dans un couple, c'est une qualité d'avoir un partenaire romantique. La fidélité, c'est normal. Genre, c'est pas une qualité. C'est quand t'es dans un couple exclusif, c'est normal. Je suis désolée, il y a trop de messages, j'arrive plus à vous lire. Je dis que tu ressemblais à la meuf, je me dis. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok. Ah ouais? Ah, je vois à quoi elle ressemble, mais je trouve pas. Alors attends. Non, je trouve pas vraiment. Behind the cloud, the sun is shining. Ok. C'est beau. T'as quel âge? J'ai 22 ans, je vais avoir 23 là bientôt. Vous savez que tout le monde demande mon âge, j'ai l'impression que vous croyez tous que je suis mineure, alors que pas du tout. T'es d'extrême droite ou gauche, c'est comme un mec d'extrême droite ou. Gauche, c'est comment? Moi, je veux un mec de gauche. Les mecs d'extrême droite, c'est pas possible. Je peux pas. Genre, vraiment, je comprends pas. Je suis désolée, hein, vraiment. Si vous êtes d'extrême droite, on va pas pouvoir s'entendre. Inès Ré, pas du tout. C'est 15, surtout. Les points primordiaux, le respect, la bienveillance, la gentillesse, le dialogue, la communication, la complicité. Je suis d'accord. Tu aimes bien la. Vous voyez là, j'ai failli lire une connerie. Bardella. Mais non, mais vous voyez, Bardella, tout ça, je peux pas. Marine Le Pen, Bardella, Zemmour, ça sert à rien. On n'aura pas de point commun, vous et moi. Tu es très belle. Merci. T'es d'où? Je suis du sud de la France, région PACA, à côté de Toulon. J'ai l'impression que je donne des coordonnées géographiques. C'est quoi votre définition de l'extrême droite? L'extrême droite, c'est l'extrême droite politique. C'est Bardella, Marine Le Pen, Zemmour, Marion Maréchal, Jean-Marie, voilà. T'es vers où? Ben ça, du coup, j'ai déjà répondu il y a pas longtemps. Je suis amoureux, les gars. Merci. Alors, tu préfères Macron? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je préférais ou pas. J'ai dit que quelqu'un qui adhère aux idées d'extrême droite n'est pas quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'entendre. Parce que il a des opinions sur le sujet que je partage pas. Et c'est des opinions qui, pour moi, sont primordiales dans la vie. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie de tolérer. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment du. Voilà, tu vois, les trucs comme ça, je peux pas. Bref, j'ai entendu Marine, j'ai eu. Non, mais vraiment. C'est. Je connais des gars qui peuvent t'embaucher. Moi, j'ai un travail, hein. Vraiment, je suis juste en congé, là, j'ai mes 3 semaines de congé, mais. Moi, mon style de femme, c'est qu'ils sont brunes, dégradées. C'est gentil. T'as quel âge? J'ai 22 ans, je vais avoir 23. Viens en privé, on parle. Non, vraiment, genre, on peut discuter ici et tout, genre en privé, à part si vous avez vraiment des questions ou quoi, je veux bien. Voilà, mais si c'est pour qu'on se drague. J'ai l'impression, hein. En plus, j'y suis sur Tinder, donc vraiment, quand je suis sur TikTok, c'est pour être sur TikTok. Pas. Bref. Non, je rigole, je rigole. On peut rigoler. Laisse tomber sur le comme dire, ne vaut pas la. Ouh là 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 là, ouais, non, 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 ça c'est des. Tu es juriste? Non, j'aurais adoré faire du droit, mais niveau moral, je ne peux pas, parce que je ne me vois pas défendre des agresseurs S, des pédos. Ben, voilà, je sais que je peux pas dire les termes ici. Bref, je pouvais pas défendre ça et je sais que quand tu fais du droit, si tu veux bien gagner ta vie, t'es obligé d'accepter certaines affaires qui pour moi ne matchaient pas avec ma conscience. Mais si les sites de rencontre, ça peut marcher pour du sérieux, je dis juste que les sites de rencontre, ça ne marche pas pour moi. Tes 3 critères physiquement et mentalement. Physiquement, je n'en ai pas et je n'en donnerai pas parce que je déteste donner un style, mais je l'ai déjà dit. Mentalement, gentil, drôle, ambitieux. Tu fais quel niveau d'études maintenant? Là, je suis au niveau du master. Alors que j'ai pas. Enfin bref, c'est trop compliqué. En gros, là, je suis au niveau du master et je dois aller jusqu'au niveau doctorat. Ça ne marche pas tout court. Si, en vrai, je vous promets, j'ai des amis, ils sont en couple et ils sont dans des couples solides et ils se sont rencontrés sur Tinder. Donc, je vous promets que ça marche. C'est juste, il y a certaines personnes pour qui c'est
pas fait pour eux et moi j'en fais partie. C'est tout. Master, quelle matière? C'est un DSCG que je fais, c'est un diplôme supérieur de comptabilité gestion. Arrête avec gentil, tu vas le canarder, le pauvre. De quoi ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais trouver un canard ou est-ce que ça. Je sais pas compris. Expliquons. Mon style de maître, de meuf musclé et vieux. Vous dites vraiment que des conneries. Non, Anissa, là, je vais te bloquer parce que là, t'es en train de me proposer de la. Un travail de péripatéticienne et ça me plaît pas trop, en vrai. Tu es française? Ouais, je suis française. Non, je suis française et j'ai des origines tunisiennes. Enfin, je suis française tunisienne. Tu veux faire quoi comme métier? En fait, je voulais faire comptable. Expert comptable, exactement. Mais je suis en train de tout remettre en question. C'est ce que je vous expliquais dans ma story Insta et c'est ce qui m'a donné envie de faire un live ce soir. Du coup, voilà, franchement, je suis en plein questionnement sur ma vie, là, c'est un truc de fou. C'est trop beau, tes ongles, merci. Voilà, j'adore qu'on me fasse la remarque. C'est mes vrais ongles, en plus. Lilia, tu es un vrai rayon de soleil. Merci, c'est gentil. Je suis nulle en maths, aide-moi. Moi, je suis très bonne en maths. Genre, en vrai, depuis le lycée, enfin, depuis le collège. Canard égale Donald. Bah, je sais. Enfin... Attends. Non, j'ai pas compris alors. Attends, je crois que je suis perdue là. Je suis désolée, je suis fatiguée. Je sais pas à quelle heure il est, mais il est. Salut, hello. T'as un couspe. Donald égale Pix. Mais moi, c'est ce que j'ai compris. Genre Donald Duck, c'est ça? Genre. Attendez, mais là, j'ai l'impression d'être teubée, je suis tellement fatiguée. T'as les yeux rouges, allez dodo. Mais ouais, c'est ça, j'ai les yeux rouges, on est d'accord, là. C'est pas moi qui suis folle. Daffy Duck. On a parlé qui s'appelle Donald. Attends, peut-être c'est moi, là, je commence à fatiguer, et du coup... Tu comptes faire le DEC après le DSCG? Oui, voilà, c'est ça. Du coup, c'est l'équivalent d'un doctorat, c'est ce que je veux faire. Mais je suis en train de tout remettre en question. Je poucave le notification est fake. 23h55, merci pour l'heure. Va dormir pour toi. Non, mais en vrai, là, je suis en congé, donc je peux me coucher à l'heure que je veux. Je dois pas me lever tôt demain et tout. Et j'ai pas envie de dormir. Mais tu restes très belle malgré les yeux rouges. C'est gentil, merci. J'ai gagné une bouteille de rosé ce soir à un tournoi de double tennis. Eh ben, écoute, c'est génial. Moi, j'ai pas gagné de rosé ce soir. Je sais pas si ça t'intéresse. T'es belle, merci. Je l'ouvrirai en pensant à la team. Tu veux pas sortir? Bah en vrai là non, parce que mes copines elles sont pas là et je suis déjà sortie